La table ronde ministérielle qui est présidée par notre ministre Delphine Batteau est très importante pour parler du niveau d'ambition que nous souhaitons atteindre. Et pour cela, la France, au sein de l'Europe, est un pays des plus engagés parce que d'ici 2020, nous voulons naturellement avoir un niveau d'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont nous permettre de limiter à 2 degrés Celsius notre température. Et au niveau de l'Europe, nous avons décidé, au-delà bien sûr de notre engagement de diminuer de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, d'avoir une revue, c'est-à-dire de discuter d'ici 2015 d'une éventuelle élévation de notre niveau d'ambition. Et pour cela, bien sûr, cela permettra de, je dirais, d'engager les autres pays, en particulier les autres pays développés qui ne seront pas dans la deuxième partie du protocole de Kyoto, mais aussi les pays en développement, de commencer une vraie politique de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette table ronde va véritablement donner une dynamique politique pour que l'accord suite à Durban qui doit être pris en 2015 pour être appliqué en 2020 ait une véritable feuille de route pour un succès en 2015 que au moment où la France pourrait accueillir la COP de 2015 et pour que cette ambition que nous souhaitons mettre en place soit réellement appliquée.